Привет, Зазеркалье! Тихо, громко, ладно, звонко. Comment prononcer le russe? Si on prête attention au son des lettres russes, on se rend compte que la plupart des sons existent aussi dans d'autres langues, en français par exemple. Mais alors, pourquoi un texte dit en russe ne sonne pas du tout comme un texte en français? C'est parce que nos muscles ne font pas exactement la même chose pour parler le russe ou le français. Première différence, en français, nous avons moins besoin de préparer nos muscles avant de prononcer quelque chose. Les mots sont rarement très longs et l'accent tonique de la langue française est régulier. Toujours sur les fins de mots. Toujours sur les fins de mots. Mais en russe, nous devons bien préparer nos muscles car les mots peuvent être très longs ou très courts. Et en plus, selon les mots, l'accent tonique tombe sur le début, sur le milieu ou sur la fin du mot. Nous devons absolument savoir vers où aller accentuer. Нам обязательно нужно знать, где ударение. Deuxième différence, pour prononcer le français, nous mobilisons modérément les muscles pour émettre une consonne. Puis nous détendons légèrement nos muscles. Puis nous mobilisons à nouveau pour émettre une voyelle. Puis nous détendons légèrement avant le son suivant et remobilisons. Ainsi de suite. En russe, à la différence du français, il y a beaucoup de consonnes dans les mots. Dans les langues slaves, on peut trouver 2, 3, 4 et même 5 consonnes qui se suivent. C'est difficile à prononcer, ça demande un effort important. Donc, nous mobilisons fortement nos muscles pour émettre une consonne et nous détendons fortement dans la voyelle qui vient. Puis, nous remobilisons fortement pour la consonne et détendons fortement dans la voyelle. Et ainsi de suite. Troisième différence. En français, il y a beaucoup de terminaisons muettes. Donc nos muscles doivent se détendre avant les fins des mots pour ne pas appuyer par erreur ces terminaisons muettes. On pourrait dire en simplifiant que la durée du travail musculaire est plus courte que la durée du mot à prononcer. En russe, tout se prononce, y compris les terminaisons. Nos muscles travaillent jusqu'au bout et se relâchent après la fin du mot. On pourrait dire, en simplifiant, que la durée du travail musculaire est plus longue que la durée du mot à prononcer. Maintenant que vous savez ça, vous allez comprendre les règles à suivre pour prononcer le russe. La règle numéro 1 est physiologique. Tout se prononce lié sur l'expiration. Si vous vous amusez à prononcer syllabe par syllabe ou mot par mot, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout confortable. La longueur des mots et le nombre de consonnes génèrent tellement de flux d'air et donc de pression autour des cordes vocales qu'il y aurait embouteillage. Évidemment, on respire et on coupe entre les phrases, ou pour marquer certaines virgules, mais pas toutes. Les règles linguistiques imposent de mettre beaucoup de virgules dans un texte russe sans qu'il soit nécessaire de les faire toutes ressortir en parlant. Les deux règles suivantes sont spécifiquement linguistiques. Règle numéro 2. Il faudra d'abord noter la place de l'accent tonique dans chaque mot, puis prononcer bien tous ces accents en parlant. Règle numéro 3. Vous avez compris que les consonnes sont une des difficultés principales qui vous attendent. Mais c'est aussi une grande source de richesse pour l'expressivité de votre texte. Donc, il faudra donner une définition précise à vos consonnes. Comment trouver puis faire les accents toniques? Comment bien définir les consonnes? Pour ces détails, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Тихо, громко, ладно, звонко.